I'm a low body, but I talk like a big body, cause I put in that pain. I work with that low body, but I back out that big body if you speak on my name. These niggas know nothing about me, but they gon' keep talking about me, and that shit ain't gon' change. I been in the cellar, ain't shit you could tell me. If you ain't got hands, invest in 11. Toughest nigga in your squad gon' be telling. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, le deviner, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo. C'est une séance PEC, les gars, c'est une séance PEC. L'autre jour, je vous ai filmé ma séance PEC à moi, avec un petit peu de lourd. Aujourd'hui, c'est une autre séance PEC un peu plus hybride, un peu plus explosif. On va travailler quand même les figures 2, mais d'une façon un peu différente. Donc, on ne va pas faire du vrai lourd, 140 kg, etc. Je vais vous montrer les techniques avec le frérot Marvin, d'ailleurs, que je vous mets dans le jeu direct. On n'a pas de temps à s'échauffer. On a mis 15 minutes à s'échauffer. Vu qu'hier, on s'est reposé, plus tu te reposes, plus tu mets du temps à chauffer, tu peux le baisser et faire une bonne séance. Vas-y, frérot, tu passes 15 reps en deux temps. On va chercher les 15. En deux temps. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, magnifique. 10, 10, encore 5, magnifique. 11, 11, 12, 12, il en reste 3. 13, 13, 14, 14, 15, en pause. Petit chrono, comme d'hab. Comment ça va, frérot? Ça va, Thomas? Le retour derrière la caméra. Plaisir. Plaisir. Hey, vous nous avez. Harcelé, moi personnellement je me suis fait harceler. Quand est-ce que tu fais des crash? Quand est-ce qu'il y a des crash? On attendait d'être bien posé. Ouais, on est de bien revenir, de trouver un bon rythme. Un bon rythme. De guérir des blessures de partout, d'avoir un minimum de pertes, un minimum de gap. Et là les gars, on va commencer à vous donner des séances type. Là c'est séance type juste pec. Souvent on fait pec épaule, pec lourd et pec hybride. Là c'est pec hybride, vous allez voir. Bon, je pense que... C'était chaud, non? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Comme vous l'avez vu les gars, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Ça permet de mettre moins lourd, donc de moins stresser les épaules et les poignets, sachant que si vous faites le pec et les épaules deux fois par semaine, c'est la moyenne, on va dire ça. Si à chaque séance tu mets du lourd, stress, il faut que tu trouves des techniques pour stresser de la même manière le muscle et pas les articulations. Celle-ci, on est une. On fait deux séries comme ça. On va faire la même chose, le même principe. Dos alter, incliné à 15%. On a juste 22 kilos. Respire, on se positionne. Pose bien les pieds, pas de creux. I'm with them killer niggas, come and talk to me. You could try to walk with me, but you can't step in my shoes. I'ma clear the room, I'ma go boom. I got the anger, pain. I still sip champagne. 30 shots. Ah, comme d'hab, il faut trouver un poids qui permet d'enchaîner avec une trente de haut. Si tu mets trop lourd, tu vas devoir mettre 2 minutes de repos, tu vas faire du rythme et tout. Trouver le bon poids. La bonne intensité, bonne récup, c'est bon. The tippest ring on my body cost a hundred, yeah. I got about a million working jewels. Look, I made a quarter up in London, yeah. Then I bought 20 chops for the hood. Look, wrecked up, tag. I give him 20 if he catch him. 4-4, blast him. Hit him up, then I'm dashing. I'm popping, I'm flashy. The bitches love me cause I'm catching. Bon, frérot, Exo 3,
Celui-là, tu le connais, mais j'explique pour la famille. Quand je parle d'entraînement hybride, c'est-à-dire qu'on inclut un petit peu d'espèce de cardio, d'explosivité, de biométrie. Bon, en gros, au lieu de faire, moi j'explique pas à Marie, j'explique à vous, au lieu de faire les pompes sur un endroit stable, tu les fais sur une boule instable. Ce qui fait que tu vas travailler les muscles en profondeur, mais surtout la coordination. Creuse pas le dos, tu essaies de mettre le poids comme ça sur les épaules, et juste comme ça là, je suis en train de péter un pont. Donc en gros, tu as la pompe classique, mais tu as la variante explosive, clac, soulève la boule, et justement, au moment où la boule redescend, l'amortissement, je sais plus comment on dit, l'amortissage, c'est ça qui va faire travailler encore plus le muscle. Mon muscle, il va retenir la force et la gravité exercée sur toi. Et en fait, au bout de 10 reps, tu vas commencer à sentir au bout de 20 reps tes membres. Ce qui fait qu'à la fin, tu peux travailler les muscles et les fibres de type 2. Au lieu de faire du coucher à 100, tu travailles avec ça, biométrie. Avec le cardio, donc la courbe, 20 reps, explosif. Dès que tu n'as plus de jus pour la soulever, on fait des classiques. Okay. Tu termines avec 10 secondes d'isométrie. Okay. Et ensuite, ici là, prise large, ultra large. Okay. Quand on fait la prise large, les gars, sur le développé, tu relâches la pression sur les épaules et les triceps. Et tu vas travailler vraiment, vraiment le pectoral. Donc, on est un petit peu moins lourd. C'est un peu stressant. Large. On a chacune les mains. Okay. C'est une longue série, mais très efficace, vous allez voir. Je vais bien les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on y va. Voilà. Position. Pose les pieds. Large. Tu vas chercher les vents. Vas-y. C'est bien, reste bien. On va chercher les vents. Je suis désolé. Ça fait une semaine, je dis, frérot. La vidéo de dimanche, prépare-toi. Ça fait pas une semaine que j'ai dit ça? C'est ouf. Eh, c'est le troisième exo. Oh putain. Et ben, je l'ai regardé, ça m'a blessé. Bon. Michael. La vérité, c'est beaucoup plus facile de soulever
3-4 reps très lourds. T'as rien à faire. Donc ça va. Mais bon. Comme on dit, faut être complet. Si t'as pas le. Tu kiffes pas à faire le cardio en salle, tu peux pas courir dehors. Tu mixes un peu, tu vois. C'est notre problème ici, ça remplace pas, ça remplacera jamais. Un vrai cardio, tu cours. Mais. Là, le cœur, il a combien? 125. J'arrive pas à voir, c'est le gramme de nous qui monte. C'est cassé, tu vois. Quand on dit qu'il a l'adamantium, c'est pour de vrai, ça monte. Il y a un poignet, elle détecte pas son pouce. On a la même montée. Bon, les gars, petit repos, petit ravitaillement. Deuxième série là. Vous avez vu, premier exo, deux séries. Ensuite, vous alternez deux séries. Et ensuite là, deux séries. 10 F whips, the D.O. what I step in, my bag Louis V, Glocks and beams, all up in his feet, run up, you gon' see, heard of me, pussy, why you flexing, know you heard of me, like me, then we fucking, don't start stalking me, point to where the money is. Ça fait grave du bien. Essayez les gars, franchement, ça m'étonnerait que vous ayez cette boule dans votre salle, je la vois pas souvent. Mais si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, demandez à la personne qui est à votre salle. Si vous l'avez pas, et vous on va faire un placement de produit bientôt, vous pourrez l'avoir. Un gros M comme ça, gros M dans la boule. Essayez de trouver ça sur internet, vous mettez ça chez vous en workout. C'est un truc de ouf. Bon, ravitaillement au repos. J'ai une surprise pour lui, une surprise pour vous. Avant-hier, j'ai reçu un DM. H, comment on fait pour travailler? La question, en plus, ça m'a perturbé, j'ai mal dormi. Comment on fait pour travailler l'intérieur, juste l'intérieur, le gars, il voulait l'intérieur du pec. Tu vois? Tu sais, moi, je suis partisan du travail tout tes pecs, ça va gonfler de partout, au final, ça va créer un creux. Mais non, t'as un exercice, t'as besoin d'exercices, tu peux travailler l'intérieur de façon tricky. Avec les pompes aussi, c'est bon. Avec les pompes, ouais. Mais là, le problème, c'est qu'avec les pompes, on gâche beaucoup les épaules. Ouais. Donc, vraiment un truc. Une grosse isolation d'intérieur du pec. Petite surprise, ravitaillement, c'est parti. Comme je vous ai dit, on va attaquer l'intérieur du pec de façon isolée. D'accord, vraiment ? Ouais, c'est très très efficace. Le seul inconvénient, vous allez voir tout de suite, c'est quand vous êtes seul, c'est un peu suicidaire entre guillemets de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Marvin en position, tu connais ? Je viens de te montrer. Dorso. Tu vois, c'est du dorsaux qui bloque. Ici, tu pousses avec la paume de la main. Il faut quelqu'un qui te soulève le truc. Voilà. Voilà. Tu maintiens aussi. Voilà. Pas se baisser. Voilà. Tu pousses avec la paume de la main, tu vas sentir vraiment l'intérieur du pec. Pas besoin de mettre trop lourd. L'intérieur du pec, c'est pas un muscle gigantesque. D'accord ? Tu vas juste chercher à le fatiguer, c'est un peu plus sérieux. Voilà. Tu sens bien ? Ouais. Encore. Ouais, tu poses. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas être seul. C'est très simple. Si jamais. C'est pas dispo, vous n'avez pas ça dans votre salle, les gars. Même à la maison. Même position, tu prends un disque de 10 de 20, genre, tu serres comme ça, et tends. Okay. Tu peux faire soit allongé debout, soit allongé, excuse-moi, soit debout. D'accord ? Et tu vas sentir. Juste faites-le à vide quand vous regardez la vidéo devant votre écran là, vous allez sentir l'intérieur du pec. C'était comment au niveau du poids ? Lourd, c'était. Pile comme il fallait, la 15ème de l'année. Ouais, les gars, vraiment, ça taffe, hein. J'ai fait tout bas là, ici là. Je maintiens, ne mettez pas lourd. Une des raisons principales, c'est parce que vu que la tête n'est pas reposée, on peut vite enclencher les cervicales et te laisser. Évitons ça. L'idée de la baby, c'est que. C'est que dans un film. Ah, il y a Félix. Regardez Félix là-bas. Là. Et ici que derrière, il y a une vidéo qui l'attend. Bon, on va pas vous filmer tout. On fait encore deux séries comme ça pour nous. Et la suite, par contre, ça va piquer. Frère, on a fini cet exo, on n'a pas fini la séance. Suis-moi, machine pec assise.
C'est chaud. Eh, ça fait une heure et ça chauffe. Mais tranquille. Alors les gars, sur une seule machine, en fonction toujours, que ce soit le dos, les pecs, n'importe, en fonction de la position du siège, même de ton corps, de tes jambes, de tes pieds, tu peux travailler différents angles dans différents muscles. Si tu veux travailler le haut du pec, il va falloir que tu pousses, que ta main soit un petit peu ici, logiquement tu vas travailler. Donc pour que ta main soit ici, ce qu'il faut faire, c'est que le siège soit en bas. Si tu veux travailler le bas du pec, ok, donc ça veut dire qu'il faut que le siège soit en haut, pour que le poignet se retrouve un petit peu ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série, tu vas pousser vers le bas, et une série, tu pousses vers le haut. Tu rigoles. Là, on commence, mets le siège en haut au maximum. Très haut. 50. 50. Voilà. Coûte que coûte. 50. Ah ouais, j'ai pas fini 50 reps. Et il faut la prendre. Voilà. 50 reps. 50 10. 2. 3. 4. 5. 20, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Je sais pas comment faire ça, c'est fait comme ouf. Une série siège en haut, une série siège en bas. Ensuite, dernière surprise pour vite. Terminus. Dernier exo, tout le monde va descendre. La même chose. Hauteur du siège neutre, d'accord. C'est entre bas et haut, tranquille. On va chercher 50 reps ici, ok. C'est hardcore. Mais bon. C'est ma chaîne YouTube, frère. C'est... Quand je dis 50, c'est pas genre scientifiquement c'est 50. C'est juste qu'on sait qu'à 30 on va être KO, on va chercher la brûlure. Vamos, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Attends, j'ai quoi ça? Il a eu sur aucun réseau, il a réussi à être à l'échec. Moi, l'échauffement, déjà, j'étais là par terre. Je sais pas comment que t'as fait quoi. Tu sais que j'allais revenir, c'est pas pour rien. Ah, putain. Sur toutes mes vidéos YouTube depuis le début de ma chaîne, tout le monde m'éteint. À 25, je suis obligé de faire une pause. Mais je suis obligé de faire une pause à 25. Je suis pas content. Je suis pas plus. Ah, je vais le courage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 35, 15. Puis Félix, il se fout de ma gueule. Non, la femme de ménage, elle se fout de ma gueule. J'en 40. Il me reste 10. Oh,
c'est bon mec. Ça fait 10 minutes de rush. Ouais, j'ai fait 40 et 10 partiels. Ouais, franchement, ouais, je te respecte de fou. Bien joué. Ça, j'ai perdu mon âme. Bien joué. Mais bon, on fait tout ça, mais les gens, ce qui leur intéresse, c'est Marina. Ah, ils s'en battent les couilles des exos, ils veulent voir. On veut voir tes pecs, Marina. Vas-y, vas-y. C'est long, quand, depuis Giga Gym. C'est bon. Non, il a conclu. Non, c'est bon. Il a conclu. Ouais, après, bah. Moi, personnellement, je suis satisfait de la séance. 10 sur 10. Bon, les gars, comme on a dit, petit mot de fin. Désolé, je bug sur ces. C'est un truc ouf, gros. C'est les péages zone. Franchement, cette séance, elle a à faire chez vous. Chez vous, à l'entraînement, à la salle de sport, faites cette séance, elle est magnifique. Franchement, pas besoin de mettre lourd. Comme il a dit, H, c'est vraiment une nouvelle manière de s'entraîner qui est vraiment très, très, très bien adaptée. Soit au bodybuilder, au fighter, à n'importe qui que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, super bonne séance. Checkez la vidéo. Il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne de H, sur ma chaîne. Très, 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 très sale. On vous avait promis le retour. Ça arrive. Krypton. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Bon, la famille, mettez en commentaire le prochain groupe musculaire que vous voulez que je travaille avec Marvin. Entre guillemets, vous voulez me voir éteindre, c'est lui. N'hésitez pas, je pense que le dos, il a un dos. Entre le dos, il a un dos. Non, mais c'est vrai qu'on fait des entraînements. Franchement, pour moi, c'est pas mal. On s'entraîne ensemble, ça ne fait pas plusieurs mois. Du lundi au vendredi, tous les jours avec la team là. Et. On a quasiment des séances types, c'est sûr, mais des fois il y a des petites improvisations par-ci par-là. Il y a toujours un muscle lourd et la deuxième séance du muscle, c'est hybride. Des fois on finit un peu de cardio, voilà, c'est le complet. On n'est pas parfait, on apprend encore, on fait encore des erreurs. Et si on peut vous aider, les gars, vous êtes, je dis pas, c'est la muscu, vous faites la muscu. Salut. Krypton. Pop a burger retarded, we shoot up the party, then chase the artillery. I'm a double G, half from the night. That's why your homegirl be feeling me, couldn't see this type of shit. It's new to me, but the streets ain't new to me. Running the streets like a truancy. When you see me, better boot to me. Even my teacher boot to me.